Bonjour, bonsoir, salut. Les séquences qui ont été filmées dans la semaine. Donc évidemment, s'il y a eu des événements par rapport aux autres directs qu'il y a eu sur les autres conférences, je m'excuse d'avance pour l'humour absurde. Mais en même temps, si vous n'avez pas d'humour, voilà, j'y peux rien. Bonne vidéo. It's time for the moment you've been waiting for. Bon, oh bah du coup je sais qu'est-ce que je vais faire, hein. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Craig machin truc et vous regardez l'Electronic Airplay. Évidemment, on est là pour regarder évidemment ce que vous voulez. Les trucs les plus importants, même si vous devez payer un abonnement sur Origin. Voilà, au moins vous allez vous amuser. Et grosse exclusivité, un nouveau Star Wars dans l'espace où vous contrôlez soit l'Empire ou soit les rebelles. Après ça, vous connaissez la chanson, hein. Je vais pas vous mentir, hein. C'est toujours la même chose. Vous voulez quoi au final, hein? Vous voulez du football américain, du foot? Tuer des gosses. Bon, ok, je vais vous faire hyper tous, hein, ce que je vois. Nouvelle saison d'Apex Legends. Allez, c'est fait, je me casse, salut. Bonjour, je suis pas Phil, évidemment votre chouchou de l'E3 avec Microsoft. Mais au moins, je suis tout simplement une personne qui va vous présenter les prochains jeux qui vont arriver sur notre console, la Xbox Frigo. Sur ce direct, vous allez avoir pas mal de choses. Des trailers, des gameplays, des trailers, des gameplays exclusifs. Des trailers, des jours de développement, des trailers, des démos, des trailers. Bref, vous allez avoir pas mal de jeux qui vont arriver sur notre console. Et d'ailleurs, nous allons vous prévoir un truc incroyable. Ce n'est pas le prix de la console, évidemment. Et en plus, si vous restez jusqu'au bout, vous allez avoir un nouveau gameplay incroyable du nouveau Assassin's Creed fait par Ubisoft. Vous allez voir, ça va être génial. Non, je déconne, ce sera juste un petit trailer à la con, parce que bon, les pauvres Québécois, là, ils ont déjà du mal avec leur accent, alors si en plus, ils essaient de faire le 3, n'importe quoi. Bon, on aurait pu aussi inviter Keanu Reeves, mais il s'est un pote de fond maintenant, donc, on peut pas le demander tout le temps, hein, c'est pas... Bon, j'aurais dû l'inviter, chier. Bonjour, je m'appelle Todd Howard et aujourd'hui je vais vous présenter la conférence Bethesda. Déjà la bonne nouvelle c'est que pas mal de gens utilisent notre launcher Bethesda, ça nous fait grave plaisir parce que évidemment ceux qui ont précommandé Doom Eternal ont dû l'installer. On vous remercie au plus profond de vos cœurs. Et si vous voulez avoir une suite de Doom, bah... On se calme, il y en a déjà un qui est sorti cette année, on va se calmer. Et puis de toute façon vous avez qu'à voir New Blood avec ces jeux à l'ancienne quoi, c'est bon hein. Sinon pour le nouveau Elder Scrolls, vous allez voir, ça va être encore plus épique. On l'a prévu déjà il y a 2 ans. On n'a rien prévu pour l'an dernier. Et on n'a toujours rien prévu pour cette année. Vous savez, au moins vous avez quand même un bon paysage avec Elder Scrolls. Hein. On se calme, hein. Et évidemment, le jeu que vous attendez tous. Pour avoir une grosse mise à jour, pour réparer pas mal de problèmes qu'il y a eu sur ce jeu dès son lancement. Fallout Shelter. Ouais, comment ça? Fallout 76? Bah, c'est un très bon jeu, je comprends pas, ça a très bien marché. Et puis le BR il a bien défoncé quand même, ou on se rappelle pas. Bon bah apparemment il y a quelques problèmes sur ce jeu aussi, mais je vais vous dire quelque chose. Si vous faites chier encore avec Fallout 76, avec ses bugs, avec son multi-claqué, ses problèmes de connexion, ses problèmes de tout, ses problèmes d'édition collector, je vais vous chercher. Je vous tuerai. Et n'hésitez pas à acheter mon Skyrim 5 sur PS5 et Xbox. Qui rigole maintenant avec moi? Bonjour et bienvenue dans cette conférence Sony. Aujourd'hui, grosse exclusivité. Et là, on se fout pas de la gueule de Xbox. Hein. Là, vous aurez du bon gameplay hein, pour la PS5. Hein. Déjà, Spider-Man. Sauf que ce sera pas un nouveau, ce sera un Stallone. Mais au moins, vous savez quoi? Vous pouvez contrôler Miles, le gosse noir qui est dans le film. Hein, du meilleur, hein. Évidemment. Hein. On déconne pas avec nous. Hein. Et en plus, hey, on est à l'heure, hein. Le Black Lives Matter, voilà, hein. On est vraiment très fort, hein, Sony, avec nous. Hein. Ensuite, des filles, des femmes, un Fury, on n'a pas encore le prix. Comment ça, Amazon, il a spoil le prix? Putain, les fumiers. Bon bah quelle chance, je croyais qu'il y avait la meuf qui va me défoncer, mais pas du tout, c'est bon. Hein. Bon bah du coup, écoutez, hein, vous aurez des jeux indés, voilà. Mais des super jeux indés, comme le BR Mario Party là. Et votre ami 3?
Bah, le jeu qui est au fond là, c'est pas lui? Non? Bah écoutez, hein. Bon, qui veut me tuer du coup là? Bonjour, bienvenue sur ce direct de Square Enix. Et aujourd'hui, pas de Life is Strange, pas de Final Fantasy, et non plus de Marvel avec Ant-Man. Ça sera Kingdom Hearts. Mais encore mieux. Salut tout le monde, bienvenue sur ce PC Gaming Show où on va vous parler que des jeux de PC et aussi un PC Master Race accompagné de ce petit robot. Qu'est-ce qui était rigolo toi? Bref, du coup, nous allons faire un direct incroyable avec pas mal de jeux incroyables qui vont arriver sur PC évidemment. Parce que bon, PC est meilleur de n'importe quelle console. Et évidemment, le truc le plus important chez un gamer, c'est qu'ils sont un weeb. Donc voici du coup Persona qui va arriver sur PC. Que le 4 parce que... Voilà, c'était ça la grosse exclue que j'avais pour ma conférence. On choisit pas ces jeux, hein, vous savez. Hein. Tais-toi, toi. Welcome to the conference of Ubisoft. My name is François the French. And today we're going to talk about the new mise à jour of Rainbow Six Siege. Because we have predict ce quarantaine with ce new game mode. And we update for coronavirus. Ce Assassin's Creed gameplay se passe in Viking time. And new Sean Dance because you like to move it like Madagascar. Qu'est-ce que tu me fais raconter toi? And ce new game we present ce la cire. We have present ce beat. It's not like Kid Icarus, but it's Code Monster like Code of War. Oh. It's not like Code of War, it's a new game exclusive. And for the Brawlhalla, we make a new depth, the big update is game mode Ben 10 and the next is Cumble. It's a very exclusive trailer epic. And for the fan of Lapin Crétin, we make a new game, it's Poké Crétin. It's a really good game, we capture the Lapin Crétin on the Savage and you need to be the best. T'as dit quoi par rapport à Eman, toi? Dégage-toi là. Vous êtes sûr pour un direct là? Parce que bon, je veux pas te mentir, mais on est dégueulasse nous avec déjà le lancement de Google Stadia. Hein. Quoi? On invente un nouveau jeu? Je me dis pas que ça va être un mini-jeu à la con quand ils vont aller sur un moteur de recherche non plus. Hein. Google Stadia, c'était trop bien, allez, salut. Bonjour, et bienvenue sur ce Nintendo Direct. Quoi, comment ça? C'est un Pokémon Direct? Non mais les gars, on est en plein mois de juin, et vous voulez faire un Pokémon Direct? Pour juste le DLC, vous foutez de ma gueule. Non mais, les gars, là, on va perdre l'E3 tout de suite, là. Et on commence tout de suite, bien sûr, avec des méga mises à jour sur Annual Crossing. Un magnifique gameplay sur le nouveau Paper Mario. Et... Bon, ok, pour Metroid et le nouveau Breath of the Wild, on y vient. Ou en fait pas. On y vient. Et bien sûr, évidemment, le personnage que vous attendez tous pour Super Smash Bros. Ultimate. Et bien, ce sera un Pokémon, parce qu'on lance tout de suite le Pokémon direct. Attends, c'est ça mon script? C'est ça mon script? Vous êtes de moi, Bowser, là? Non, mais parce que... Ok. J'apprécie qu'on fasse pas de direct et qu'on va lancer directement un Pokémon direct, mais vous êtes sérieux là? On a perdu l'E3 à l'avance pour une fois quoi. Du coup, c'est qui va gagner, Nico? Oh, attendez. On vous montre en exclusivité et en vidéo le prochain personnage qui arrivera dans ce match avant l'autre Pokémon à la con. C'est parti. Ah, je suis content de cette belle journée. J'ai gagné le tournoi Arps et je suis impatient de savoir qu'est-ce qui va m'arriver par la suite. Est-ce que je dois revenir à un boulot de policier? Avec Astral Chain? Wouf, 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 wouf. Mais dis-moi,
Ça serait pas une invitation pour jouer à Smash? Waf, waf, waf. Vas-y, donne-le à ton daddy. Waf. Mais quel est le diable à voler mon invitation? Nom d'un boulon. Je viens d'avoir une lettre d'invitation pour aller sur Smash. Ah, merci beaucoup monsieur l'argent, hein. Ça fait vraiment plaisir. Heureusement qu'il n'y a plus de l'E3, hein.